Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au statut de l'arbitrage que j'ai eu le plaisir d'animer avec Jean-Luc. Donc sans plus attendre, le statut de l'arbitrage est dicté par les articles 36 et 37 sur les règlements généraux, ligues et districts. Donc vous avez devant vous les modèles entre les très jeunes arbitres, les jeunes arbitres, et les arbitres de la fédération de ligue et des districts. Donc, par exemple, un jeune arbitre, qu'est-ce qu'un jeune arbitre? C'est un arbitre qui a entre 15 à 23 ans au 1er janvier de la saison en cours, bien entendu, ayant satisfait aux examens et aux contrôles réglementaires. Alors, il y a une possibilité de détenir une double licence arbitre de district joueur dans le club de son choix ou d'une double licence arbitre de district éducateur fédéral dans le club qu'il couvre. Double licence possible également pour un arbitre de ligue âgé de moins de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours avec une licence joueur. Ensuite, sur les obligations pour les clubs en termes d'arbitre. Je ne vais pas vous lister tous les exemples que vous avez devant vous. Vous pouvez vous reporter toujours aux articles sur les règlements généraux de la Fédération française de football ou les règlements généraux de la Ligue et des districts. Par exemple, sur la ligne nationale 2 et nationale 3, vous voyez que les obligations des clubs, c'est d'avoir 5 arbitres, dont 2 majeurs. Voilà. Donc, je ne vais pas faire tous les exemples que vous avez devant vous. Vous pouvez mettre pause et les regarder comme vous le souhaitez. Ensuite, les obligations toujours sur les obligations des arbitres, ils doivent renouveler leur dossier dans les délais, c'est-à-dire saisir la demande de licence dans votre club du 1er juin au 31 août pour les arbitres renouvelant leur licence, ou du 1er janvier au 31 janvier pour les nouveaux arbitres, ainsi que les arbitres changeant de club dans les conditions de l'article 30 du statut. Il faut également transmettre le dossier médical dans les 2 mois qui suivent la date d'enregistrement de la licence et au plus tard le 31 octobre. Voilà pour les obligations des arbitres et en termes de match. Alors pareil, je ne vais pas vous listez tous les exemples que vous avez devant vous, mais par exemple pour un arbitre jeune, c'est d'avoir arbitré au moins 16 matchs dans la saison, coupe et championnat comptant, dont les 2 dernières journées de championnat. Voilà. Si le quota de match n'a pas été effectué, vous avez une amende au club multipliée par le nombre de matchs manquants. Je passe la parole à Jean-Luc sur les sanctions également possibles pour les clubs. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce qui concerne les sanctions administratives qui sont infligées au club par manquement des dispositions liées au statut d'arbitrage, pour un club qui se trouve en première année d'infraction, comme c'est décrit dans le tableau qui vous est présenté, alors il y a une amende qui est infligée, une amende financière, et au niveau de la sanction sportive, le club se verra imputé de 2 mutations en moins la saison suivante. Dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée. Donc, si un club, je précise parce que c'est souvent des questions qui sont récurrentes, ne sont pas impactées toutes les équipes du club. C'est uniquement l'équipe première senior du club qui subit cette imputation de 2 mutations. Donc un club qui a 3 équipes seniors, eh bien l'équipe première n'aura le droit qu'à 4 mutations au lieu de 6. Par contre, les équipes 2 et 3 continueront à pouvoir utiliser 6 mutations la saison suivante. La deuxième année d'infraction, on parle d'année consécutive, on est bien d'accord. L'amende infligée la première année va être doublée et le club se verra effectivement imputé de 4 mutations en moins dans l'équipe première du club, les autres n'étant pas impactés. La troisième année d'infraction, l'amende sera triplée et on aura moins 6 mutations dans l'équipe première. Ça veut dire concrètement, puisque vous n'avez droit qu'à 6 mutés par équipe, si le club est en troisième année d'infraction, il n'aura le droit à aucune mutation dans son équipe supérieure. Les autres pourront bien évidemment conserver les 6 mutations, pardon. Et puis, quatrième année et plus d'infractions, mais on est sur les mêmes bases en termes de sanctions sportives
Et par contre, l'amende sera quadruplée. Voilà. Petite précision, lorsqu'un club a régularisé sa situation, les sanctions financières et sportives reprennent effet en cas de nouvelle infraction et sont appliquées. Et là, il faut bien le savoir, au niveau de la dernière pénalité, s'il a été en règle pendant une saison, et au niveau de la première année d'infraction, s'il a été en règle pendant deux saisons consécutives. Donc, il faut absolument qu'un club qui était en infraction vis-à-vis du statut d'arbitrage soit en règle et répondre aux prérogatives du statut d'arbitrage pendant deux saisons avant de pouvoir retrouver une activité normale vis-à-vis des obligations qui lui sont faites. Après, il existe également une disposition complémentaire qui est prévue par l'article 45 du statut fédéral de l'arbitrage et qui est repris dans l'article 39 des règlements généraux de la Ligue et ses districts, qui prévoit éventuellement pour un club qui a pendant deux saisons consécutives à compter dans son effectif un arbitre supplémentaire non licencié joueur, à condition qu'il ait été amené lui-même à l'arbitrage par le club formateur, de bénéficier donc d'une licence joueur mutation supplémentaire en plus des 6 qui lui sont autorisés. Cette obligation, enfin, cette prérogative prévaut uniquement dans la limite de deux joueurs mutation maximum autorisés par saison sportive. Je vous laisse le soin de lire effectivement le premier paragraphe pour les clubs de 4e et 5e division départementale qui peuvent bénéficier d'une disposition particulière. Je voudrais simplement attirer votre attention sur la liste des clubs qui bénéficient des dispositions arrêtées au 1er juin, publiées sur le site internet de la Ligue ou du district, donc par la commission décision arrêtée par la commission des statuts règlement. Statut de l'arbitrage, pardon, excusez-moi, notamment qui permettent au club de bénéficier de un ou deux joueurs mutation supplémentaire, ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette liste, normalement, effectivement, elle est publiée au 1er juin. Cette année, bah, elle a été publiée un petit peu plus tard, eu égard à la crise sanitaire qui a fait que les commissions des départementales du statut de l'arbitrage se sont réunies a posteriori. Mais doivent nécessairement, dans leur procès-verbal, diffuser la liste des clubs qui bénéficient de ces mutations supplémentaires. Il appartient, et là j'insiste, il appartient au club bénéficiaire de prévenir la structure, donc ligue ou district, de l'équipe dans laquelle il souhaite que la ou les mutations supplémentaires soient appliquées avant le début des compétitions. Je vais prendre un exemple tout simple. Si le club X bénéficie de deux mutations supplémentaires et le championnat reprenant le 7 septembre, par exemple, si à la date du 7 septembre, il n'a pas déclaré auprès de la Ligue ou du district, en fonction de la compétition concernée, l'équipe dans laquelle il souhaite que cette mutation soit appliquée, le club ne pourra pas en bénéficier pour le restant de la saison. Donc j'attire votre attention. Soyez rigoureux par rapport à cette date limite pour déclarer votre équipe dans laquelle vous souhaitez l'application de la ou des mutations supplémentaires. Merci à tous pour votre attention, pour votre écoute. On reste bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire.